Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine soin du visage. Vous allez voir, c'est une routine très très simple et rapide. Pour commencer, une fois par semaine, j'utilise un masque 3 en 1 nettoyant de chez Nivea qui fait à la fois nettoyant, exfoliant et masque. Donc je l'applique généreusement sur tout mon visage et je viens faire de petits cercles pour masser mon visage, pour essayer de l'exfolier un tout petit peu. Voilà, j'insiste bien sûr les zones du nez, du menton. Voilà, en général, ce sont les parties où il y a beaucoup plus d'excès de sébum. Et ensuite, je laisse poser environ 5 minutes pour que ça fasse bien son effet. Ensuite, pour retirer tout ça, je viens utiliser mon éponge démaquillante avec de l'eau. Ce sont des éponges qu'on vend en grande surface, vous pouvez les trouver un peu partout. Je les trouve très pratiques. Donc voilà, je viens nettoyer mon visage. Normalement, c'est un nettoyant qu'on utilise tout simplement pour se nettoyer le visage. Je trouve qu'il absorbe bien l'excès de sébum. Tout simplement, après ça on a le visage assez frais, mais moi je n'arrive pas à l'utiliser seul, donc je le suis toujours de mon gel nettoyant fraîcheur, toujours de la marque Nivea pour peau normale à mix. Je trouve que il nettoie très bien la peau en douceur sans l'agresser, il ne mousse pas trop. Au début j'avais du mal à m'y faire, mais je trouve que c'est bien. J'utilise toujours mon éponge démaquillante pour me nettoyer le visage parce que je trouve que ça nettoie en douceur. Ensuite je viens utiliser mon tonique à l'aloe vera et l'huile d'argan bio pour retirer l'excès de calcaire, vraiment pour enlever tout le reste de saleté, d'impureté sur mon visage. Donc je l'applique à l'aide d'un coton sur tout mon visage et je l'aime bien aussi. Je trouve qu'il est frais, l'odeur au début ne me plaisait pas trop, mais j'ai fini par m'y faire, je trouve que c'est pas trop fort. Ensuite je viens hydrater mon visage avec mon soin de jour hydratant fraîcheur, toujours de la marque Nivea pour peau normale à mix. Elle contient un FPS de 15 et je l'aime bien, je trouve que ça fait bien son job, ça hydrate bien la peau. Le soir, je fais toujours la même routine, c'est-à-dire mon gel nettoyant et je remplace le premier tonique par un second tonique qui est celui de la marque Yves Rocher Pure System Lotion Clarifiant. Je l'aime bien. Il a l'aloe vera et acide salicylique, donc je trouve qu'il assèche bien les boutons. Je l'utilise surtout les soirs, seulement les soirs, et je le suis toujours aussi de mon soin de jour qui peut aussi être appliqué le soir pour vraiment réhydrater ma peau parce que je trouve que ce produit là l'assèche un peu quand même. Donc voilà un peu pour ma routine soin du visage. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment simple, ce sont les mêmes produits, la même routine pour le matin et pour le soir. Il n'y a que la lotion clarifiante qui change et mon masque que je fais qu'une seule fois par semaine. Et le soir, j'utilise toujours mon baume hydratant sur les lèvres et que je laisse poser toute la nuit pour avoir des lèvres bien douces le lendemain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!